Hey, yosh la famille, on est là, papa et titi, et maman elle est là. Aujourd'hui on part dans la jungle, on va aller visiter l'île de Boal, on va voir les Chocolate Island, on va voir les tarsiers, plein de petits animaux, et on emmène les titi avec, parce que là, il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils découvrent un peu. Allez, on vous emmène, nouvelle journée, nouveau vlog, c'est parti. Hello. Tear up the heads you say. From all love astray. From all my love. Les serpents, c'était beau. Ah, c'était beau les serpents? Très très beau. Maintenant on va aller voir les Chocolate Hills. Allez, c'est parti. Pour les Chocolate Hills, on monte au sommet. Ah mon... Et on y va. On y va, regardez-moi ce background. Ça tire sur les mollets, Titi. Hein, hein, ça tire. Ouh. Ouh. Ah bon. Allez, Titi. Allez. Allez. On est en haut. On est en haut. C'est beau, mais on comprend pas pourquoi. On n'a toujours pas compris pourquoi quand c'est possible d'avoir des espèces de montagnes comme ça. Des fourmilières. Donc nous allons étudier ça et on mettra ça dans la vidéo. Ça nous tient à cœur de comprendre l'explication. Il n'y a genre aucune explication sur aucun panneau ici. Allez, maintenant on est en route pour la suite de périple. Bye bye les Chocolate Hills. Allez. Prochaine étape, les tarsiers. Ils ressemblent à Titi, ils ont des gros yeux. C'est des petits singes. Nous allons profiter de ce magnifique décor pour revenir sur les Chocolate Hills. En fait, il y a exactement 1268 collines à Boal, ici aux Philippines. Et en fait, l'origine remonte à 2 millions d'années en arrière. Du sable, des coquillages, principalement, et du calcaire. En fait assez meuble et en fait plutôt tectonique des plaques. Il y a eu des petites montagnes qui ont surgi du sol et pendant des années suite à l'érosion, le vent, ça a vraiment arrondi ces collines quoi. C'est assez incroyable et c'est assez unique au monde. C'est pas encore classé au patrimoine mondial de l'UNESCO mais les Philippines ont demandé à ce que ça le soit rapidement. On est parti Titi. Titi, il pleut de ouf. Waouh. Oh, il pleut.
was never, never, ever gonna stay for long. This the shelter to life's great storm. In the middle of the ocean on a little more. Okay. Et voilà où on va manger. Les bateaux flottants de Lobok. Wow. Shadows where children play. I belong to you, run away someday. Cast out your fears, won't you take my hand? From a lonely boy to an older man. Ageless is love till it hits a wall. Ageless is love, though it's bound to fall. Ageless this love till the end of time. I know it hurts. Okay. Attention, on est parti. Ok, go. Yeah. Bon ben, clairement, c'était de la balle olympique. La vidéo, elle va rendre du lourd. C'était monstrueux. Je sais pas à combien de mètres d'altitude on était. Mais wow, franchement, il y avait au moins 100 mètres au-dessus du vide. J'ai surkiffé, c'était magique. Allez, maintenant, retour avec Didine dans le cable car. On est reparti avec la famille. On est reparti tous les trois. Et cette fois, en cable car. C'est la fin de la journée aventure. Tu dis au revoir. Oh non. On dit au revoir, on dit à demain. Hein? C'est bien aujourd'hui, hein? Belle journée. Hein? Bon, il va faire content.